Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo swap spéciale scrapbooking, planeur et papeterie de tout genre, tout ce que les filles adorent. Alors, j'espère que la qualité de la caméra vous plaît depuis quelques temps, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai reçu un swap de Mélanie de la chaîne Bonheur Partagé qui réalise beaucoup de vidéos haul. Scrapbooking et beaucoup de vidéos Project Live pour celles qui sont fans. Avant, elle avait une autre chaîne, je ne sais plus comment du tout elle s'appelait, elle faisait plus de beauté, mais du coup elle a été fermée parce qu'il y a eu un souci, etc. Donc elle a réouvert sa nouvelle chaîne et elle est plus tournée vers le scrap. Donc pour celles qui sont fans, allez yoter sa chaîne. Je commence le swap, donc voilà comment ça se présente. C'est des superbes emballages noirs et craft un peu comme ça. Les indices sont écrits sur des étiquettes craft. Elle m'a mis un petit mot doux sur une carte de Project Live trop jolie. D'ailleurs, je crois que je l'ai cette carte là. Donc elle m'a mis: salut ma belle, voici notre swap tant attendu. Oui, ça fait déjà 3 mois que nous, 3 ou 4 mois, je ne sais plus, qu'on a mis en place ce swap. C'est un swap d'une trentaine d'euros, si je me souviens bien. C'est du scrap majoritairement et on devait mettre après 5-6 euros de nourriture. Après, elle me dit dans sa carte, donc il n'y a pas d'ordre particulier, pioche au hasard en espérant que tout te plaise. Fais comme avec Mélanie, Happy Together 17, dis à la fin ce qui te plaît le plus et le moins, si tu veux, bien évidemment. J'essaierai de le faire, mais je suis sûre que tout va me plaire. Je suis très contente d'avoir fait ce swap avec toi, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Encore félicitations pour bébé 2. Gros bisous en espérant qu'on pourra se voir en vrai un jour, avec grand plaisir. J'espère pouvoir... Je viens souvent en Belgique, mais quand je viens en Belgique, je reste à la frontière, en fait, l'île belge. Donc je vais pas m'aventurer, on va dire, dans les terres belges, mais j'espère qu'un jour on arrivera à se voir avec grand plaisir. Désolée pour le miam miam, je n'ai qu'un truc, mais j'ai compensé en scrap. Il n'y a pas de souci, même si je suis une grande gourmande, comme vous le savez toutes, ce n'est pas grave. Donc je vois que déjà il y a un petit goodies, donc on s'est mis des petits goodies. Moi j'ai mis des cartes de Project Live, des découpes en papier, des coupes en gold aussi, puisque j'ai pas beaucoup trouvé de choses gold et je sais qu'elle adore. Donc je lui ai fait des découpes en gold et je lui ai mis, je sais plus ce que j'ai mis, vous verrez bien dans sa vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc elle m'a mis des espèces de petits trucs comme ça, je sais qu'elle adore utiliser ces trucs là, moi je sais pas comment ça s'appelle. D'ailleurs j'en ai mis dans le swap, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, mais elle adore utiliser ça. Et là elle m'a mis des petits scrap bidules, des petites choses sympas, avec love, des petites attaches parisiennes et tout, enfin attaches parisiennes, non, des trombones, pardon, des mots. Donc ça c'est parfait, j'adore les petits goodies comme ça. Deuxième petit goodies, un carambar, donc bah ça c'est parfait, hein. Alors du girly à plein tube. Alors je suppose, vu la forme, que ce sont des stickers, mais alors là... Oh my god, c'est trop beau. Ce sont des jolis stickers. Elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Ouais, elle a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les collections qu'elle a achetées. Et je suis à la recherche de cette collection-là. J'ai regardé sur le site de la Fourmi Créative. J'ai regardé sur le site dans mes pochettes que j'aime beaucoup. Et je ne les ai pas trouvées, j'étais trop dégoûtée. Et je suis super contente. Donc c'est la Urban Chic de chez American Craft, je crois, Weird Memory Keepers. Oh, regardez-moi ça, comme c'est trop joli. C'est du gold, c'est du girly, c'est des trucs de filles, c'est juste trop bien. Et là, il y a des lettres en plus en or. C'est trop bon, ça, c'est déjà parfait. Et j'avais bavé sur ta vidéo, Mélanie, sur ta vidéo haul, où il n'y avait que des choses gold. Allez la voir, sa vidéo, parce que genre, il y avait trop de choses bien. Mais j'ai eu du mal à chercher, à trouver certaines choses. Oh, j'allais ouvrir sans lire. De quoi faire plein de découpes. Ah, un petit dice peut-être. Un petit dice. Ah oui, alors c'est les dice de chez Action. Et je ne crois pas que je les ai ceux-là, donc c'est trop bien. Donc des petites fleurs comme ceci. Et ils marchent très bien, ces petits dice-là de chez Action d'ailleurs. Ces petites rebords en fait, et ces petits cadres. Donc ça c'est parfait. Alors moi je lui avais dit que j'avais acheté quelques trucs chez Action pour moi, donc je l'avais montré dans, enfin j'avais montré dans des vidéos haul, mais j'ai rien acheté pour elle de chez Action parce que je sais qu'elle en a en Belgique et je voulais acheter des choses qu'elle a pas facilement en fait en Belgique. Puisque oui, je l'ai pas dit, c'est une Belge. Parce que j'ai peut-être dit, vous l'avez peut-être compris au début de la vidéo. Je prie pour que tu ne l'aies pas déjà.
vu la forme, ça me dit rien du tout. Peut-être un dice ou quelque chose comme ça. Parce qu'elle aussi, elle vient d'avoir la Big Shot. Donc j'ai mis des dice aussi. Mais ah non, je l'ai pas du tout. Non, 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 c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. C'est un dice quasi art métallique. Et c'est une forme de, bah vous l'avez reconnu, hein, de flamant rouge. Trop trop à la mode. Alors, même si là on est en hiver, c'était la mode cet été. Mais c'est vraiment trop trop bien. Ça, je suis super contente. Donc ça va être parfait dans mon planeur, dans mes créations, tout ça, tout ça. Top pour le planeur. Alors là, j'arrive pas à miner, je sais pas. Ah, bah oui. Des tampons. Alors ceux-là, je les ai déjà, je les achète souvent pour mes élèves. Je pense que je les ai aussi pour moi dans ma classe. Ce sont les tampons de chez Action, donc je les ai déjà. Faut que je vérifie si c'est les mêmes mots en fait, parce que vous avez plein de mots dedans, love, etc. Effectivement, c'est sympa dans le planeur, j'y avais même pas pensé. Donc je vais vérifier si je les ai déjà. Sinon, si je les ai déjà, ils sont dans ma classe, donc celui-ci, il restera pour chez moi. Merci, merci. Ensuite, c'est Noël. Alors ça doit être des petites découpes Noël de chez Action, je pense. Que je n'ai pas acheté parce que d'ailleurs, j'ai rien trouvé chez Action. Noël, j'ai rien trouvé. Donc c'est cool. Après, je veux pas trop de choses de Noël parce que j'en ai déjà beaucoup. Je sais pas si je lui ai dit. Mais j'ai déjà beaucoup de choses de Noël et je les utilise très peu. Donc je voulais pas trop de choses. Mais ça, c'est cool. Donc des petites décos de Noël comme ça en gold et en argenté. Et en bois pour les bas. Le bas. Donc ça, c'est top. Donc ça, c'est super. Et puis bah ça me servira dans les prochaines pages de Noël. Encore pour ton planeur. Alors je vous glisse ma vidéo planeur quelque part par ici si vous ne l'avez pas vue. Alors je sais pas, des stickers je pense, parce que pour le planeur de cette forme là ça passe que des stickers. Oui. Alors des stickers de chez Emma et des stickers de chez Vibra, je sais pas comment ça se dit. C'est super génial avec les jours de la semaine en anglais, des petits mots, Happy Halloween, etc. C'est génial ça. Donc, je vous montre le prix, bah, d'ailleurs vous avez hein, 50 centimes. Il y a... Ça c'est super sympa. Faudrait que j'y aille dans ce magasin parce que 50 centimes ça vaut vraiment le coup. Et ça s'utilise tellement vite. Oh c'est trop mignon, des stickers Emma pour Noël. Donc avec des couleurs gold, rouge, etc. Enfin rouge. Oui, rouge et argenté. Je sais pas si vous verrez quelque chose. En tout cas, c'est super sympa. Ça, c'est parfait pour le planeur. Effectivement, c'est top, top, top. Un petit bonus, comme je l'avais dit, elle m'a mis des petites découpes. Des petites découpes comme ceci, donc en couleur craft. Des petites découpes blanches et roses, comme celle-ci. Des petites lettres de l'alphabet et des numéros, comme là. Des petits tamponnages, donc ça c'est top. Alors je sais même plus si j'en ai fait. Je crois que j'ai oublié. Mais bon, j'ai compensé en carte de scrap. Elle aussi, en carte de Project Life. Elle aussi, elle m'a mis quelques cartes de Project Life. Et moi aussi, j'en ai mis. D'ailleurs, j'ai mis aussi des cartes de Project Life avec du gold. Et là, des petites découpes gold un peu Noël comme ça. C'est pas des découpes qu'elle a fait. Je pense que c'est des choses qu'elle a achetées toutes prêtes comme ceci. Donc ça c'est top. Des petits bonus comme ça, c'est parfait. Et des petites découpes en bois comme ça. Que vous trouvez un peu partout. Il y en a que je n'ai pas, il y en a que je dois avoir. Ça c'est super. Donc que vous avez chez Action ou peut-être ailleurs, je ne sais pas. Je regarderai ça tout en détail prochainement. Alors ça, ça ressemble à un bonbon. On dit merci qui? Merci à AliExpress. Alors oui, elle m'a mis aussi des choses à AliExpress, mais moi je commande jamais sur AliExpress. Et du coup, je lui ai dit que bah il fallait pas qu'elle hésite parce que moi il y a plein de choses qui me plaisent en scrap chez AliExpress, mais je ne commande jamais. Et ce sont des washi tape avec du gold. Et ça, je m'en doutais un peu qu'elle allait m'en mettre parce que j'y avais fait de fortes insinuations. Alors je vais essayer de laisser faire le focus. Voilà, une avec des ananas et des points gold. Et une avec des flèches gold. Ils sont trop trop jolis. Trop trop jolis. J'adore. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Parfait pour le planner et le Project Life. Alors je suppose que ce sont des cartes de Project Life. Vu la forme, ça a l'air d'être des cartes. Alors, oui, ce sont un petit bloc de. Un petit bloc de cartes comme ça de la marque Becky Higgins Project Life. Un petit bloc qui s'appelle Golden, enfin, avec du gold, mais est-ce qu'il y a un nom? Oh,
je sais pas. Oh, elles sont trop jolies. Regardez-moi ça. Trop, trop belles. Voilà. Des points. Oh, il y en a des trop, trop jolies. Oh, regardez ça. Ça, ça va être parfait, effectivement, pour le... Oh, elles sont vraiment trop belles. Regardez-moi celle-ci. Oh, si vous êtes fan du gold comme moi, vous devez adorer. C'est parfait, ça. Tu voulais du mode et beauté, en voici. Du mode et beauté. Je sais plus ce que je lui ai dit. Oh, j'ai perdu. Je sais plus. Alors, je sais pas, là, j'ai pas de... Ah, je me les suis achetées en version papillon, mais j'ai pas acheté celle-ci, donc c'est mignon. Ce sont des paperclips, donc des attaches... comment ça s'appelle ? Des trombones, voilà, chercher en forme de... De cintre, voilà, je cherchais. De chez Emma, donc ça c'est très bien. J'ai celle en forme de nœud papillon, donc bah voilà, j'aurai les autres, c'est parfait. C'est quasi comme un gros bonbon. Alors ça a l'air d'être en verre, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut être, puisque en verre et en Project Life, enfin en scrap, je ne vois pas ce que ça peut être. J'allais dire une bougie ou quelque chose comme ça, mais je ne vois pas le rapport avec le. Ah non ! Oui, c'est vrai. C'est la gourmandise. Je lui avais dit que j'avais repéré en Belgique une fameuse pâte à tartiner qui paraît qu'elle est juste divine, de la marque Côte d'Or, et que nous ne trouvons pas en France. Donc c'est au lait, et voilà, si cette petite merveille, donc ça j'ai hâte de tester. Il paraît qu'elle est juste génialissime, donc vous en direz des nouvelles. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en commentaire si une vidéo sur des miam miam, mes favoris un peu nourriture ou des choses comme ça. Ou une vidéo aussi sur comment je mange un peu dans la journée, ce que je mange dans la journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Des petits carambars. Bien sûr, je ne mange pas que des cochonneries dans la journée. Hein. Non, ce n'est pas un bonbon. Alors, ça doit être encore du washi tape vu la forme. Ah, c'est ceux de chez Emma. Et je ne les ai pas achetés, je ne les ai pas vus d'ailleurs dans mon Emma. Qui sont en gold aussi, comme ça. Trop, trop jolis. Vraiment très, très beaux. Je les aime beaucoup, j'ai hâte de les utiliser, j'ai vraiment hâte d'utiliser tout ça. C'est Noël et c'est gold, que demander de plus? Alors peut-être les carnets de chez Action qui sont gold et Noël, que j'ai pas trouvé du tout dans mon Action, donc c'est cool. Peut-être ça vient pas de chez Action, je sais pas du tout. Et je pense que ça, ça vient de chez Action. Effectivement, c'est Noël et c'est gold, et je les avais vus dans des vidéos, mais je les avais pas trouvés moi du tout. Donc ils sont vraiment trop trop beaux, hein. Regardez-moi ça, ça c'est du gold. Hop, un dernier pour la route. Trop trop joli, ça c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Effectivement, je vais pouvoir faire des sublimes cartes gold pour Noël. Merci Ki, je t'ai fait les pochettes. Tes devinettes sont difficiles Mélanie. Je ne sais pas du tout, je t'ai fait les pochettes. Alors là... Tu m'as fait des pochettes de quoi? Ah oui! Oui, c'est des... C'est des... Comment ça s'appelle? Des planches de tampons, voilà. Je cherchais des planches de tampons de chez AliExpress. Elle m'a fait des petites pochettes pour les ranger, donc c'est super. Voici la première qui est trop trop mignonne avec plein de mots. Elles sont superbes. Superbes, superbes, superbes. Et la deuxième avec des mots aussi et des petits cadres. Donc elles sont parfaites. De chez AliExpress. Alors je vous invite à aller la voir si vous voulez les liens des choses, parce que moi je ne vais jamais sur AliExpress, vraiment jamais. Toujours utile, peut-être un carnet. Alors c'est vrai que j'en ai 50 milliards et je les utilise très très peu, donc à voir. Il a l'air sublime. Oh, il est trop trop beau. Effectivement, c'est toujours utile, mais après, quand on en a 50 000, je ne sais pas quoi en faire. Je pense que celui-ci, je vais lui trouver une petite utilité. Il est vraiment très très beau, noir et gold comme ceci. Je ne sais pas du tout où il vient. Il est sublime, mais que vais-je... Et donnez-moi une idée, tiens, de petit... Alors, ne me dites pas pour écrire tes vidéos YouTube. Non, parce que j'écris ça déjà dans un autre carnet et dans mon planeur. Mais peut-être pour mettre des petites choses sur ma fille ou des choses comme ça. Je verrai. Ou sur l'arrivée de bébé 2, peut-être. Je peux me faire un petit carnet sur l'arrivée de bébé 2. Je sais pas, je verrai. Je vais réfléchir, mais il est sublime en tout cas. Et le dernier cadeau, ça va trop vite. De quoi écrire, écrire et encore écrire, enfin coller. Mais tes énigmes sont des vraies énigmes. Alors des stickers, je dirais. Et... Ah oui, des stickers lettres.
Mais oui. Je suis nulle. Alors, des stickers LED. Alors, je crois que c'est dans son magasin chouchou. Ah oui, là-bas, j'ai de quoi faire. Oh là 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 là. Il y en a trop. Regardez-moi ça. Plein de stickers LED. Alors, il y en a qui viennent d'un magasin où c'était à 1€. Donc, je ne sais pas c'est quoi le nom du magasin. Pour les Belges, peut-être que vous reconnaîtrez l'enseigne en haut, là. Mais, alors, voilà, il y en a des roses pailletées sublimes. Des argentées. Des argentées qui sont sublimes aussi. Waouh. Elles sont trop trop belles. Oh, celles-ci aussi, je les avais vues dans une de ses vidéos. Ils viennent de ces imans, mais en France, je ne les ai pas vues du tout. Donc, des argentées et dorées. Elles sont trop trop belles. Et elle me les a pris donc en majuscule et en minuscule. Ça, c'est trop 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 bien. Merci. Et celles-ci qui viennent de chez Emma. Mais nous, on n'a pas ça dans notre Emma. Je ne les ai pas vues, moi. En gold et en argenté. Donc là, je vous avoue qu'il y a du gold, du argenté, du... Enfin voilà, c'est parfait. Même si elle n'a pas trouvé plus de gourmandise, c'est pas grave du tout. Je vais souvent en Belgique, donc si je veux m'acheter des chocolats belges, je n'hésiterai pas la prochaine fois. Et j'espère vraiment, Mélanie, de te croiser la prochaine fois près de Lille ou dans une ville belge qui se rapprochera de chez toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement. En tout cas, je suis super ravie de tout ça. Je vous avoue que je suis hyper fan de cette planche-là et je veux m'acheter la collection. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez où je peux trouver la collection Urban Chic de chez We Are Memory Keepers. N'hésitez pas à me dire ça. D'ailleurs là je vais aller direct voir sur mon ordi si je peux trouver ça tout de suite. Mais je suis tellement je suis fan de toutes les petites choses que tu m'as trouvées, les petites choses, même s'il y a des petites choses de chez Action, j'en suis très contente. Voilà, même si c'est petit prix, ça me dérange pas. N'hésitez pas à aller voir ce que je lui ai offert de mon côté. J'ai eu beaucoup d'aide de Mélanie, donc de la chaîne Happy Together 17, vous la connaissez aussi, qui m'a beaucoup aidée cet été à choisir, quand on était en Bretagne, etc., à choisir un petit peu des choses pour offrir à Mélanie. Du coup, donc elle m'a pas mal aidée, donc n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai offert à Mélanie de la chaîne Bonheur Partagé. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Salut.